Aïe, 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 aïe. Oh. Gina, qu'est-ce que t'as Hein? là? Pourquoi tu... Quoi? T'as dit à quoi? Ouais, je me suis fait enfiler. Je viens de me faire enfler, là. Et j'aime pas ça du tout, là. Et franchement, ça fait mal, ça. Arrête. Sodomisette. Ah oui, ça fait mal. Ça fait mal à la boîte à chocolat. Oui, oui. Charlie, il est parti visiter la chocolaterie. Oh, purée. J'ai le sentiment, et au-delà d'un sentiment, je crois que je me suis fait berner. Mais pas comme Stéphane. Détends-toi, je déconne. J'étais tranquillement en train de commencer ma petite soirée et je reçois beaucoup de commentaires par rapport à une vidéo que j'avais faite sur Isabelle Morini Flop quand elle insultait tous les pays qui étaient autour d'Israël d'animaux. Et dans la vidéo que j'avais faite, j'avais dit ça. Elle a dit, j'ai pas dit entouré d'animaux, j'ai dit entouré d'ennemis. D'ennemis. Animaux. Ennemis. Animaux. Ennemis. La première syllabe A et E. Écoutez. Démocratie de la région, pardon. Mais oui, ça n'a pas de sens. Entouré d'ennemis. Des Palestiniens. Pardon. 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 Ennemis ou animaux. Et donc, suite à cette vidéo et cet extrait de cette vidéo, j'ai reçu plein de commentaires en me disant, ouais, Gino, tu devrais avoir honte, tu devrais aller t'excuser. Aujourd'hui, le lundi, ce soir, dans tes PMP, ils ont prouvé qu'Isabelle Morini flop, elle n'avait pas dit animaux, mais ennemis. Ils ont isolé la bonne son. Nanana. Donc je suis parti, je crois que je lis tous ces commentaires, j'en réponds pour certains. Après, je vais voir la séquence qui me parle sur X et sur le compte de TPMP sur X. Et effectivement, la séquence que je regarde, c'est celle-ci. Franchement, il faut vraiment que il se fasse, il consulte, hein, comme vous avez dit. Hein. David, il y a des problèmes, hein. Problèmes auditifs, regardez. Je vais sur le boycott d'Israël ou oui. C'est la seule démocratie de la région, pardon. Mais oui. Ça n'a pas de sens. Entouré d'ennemis. Donc, voilà, je crois que c'est clair. Hein. Voilà, donc, mais de toute façon, j'avais aucun doute. Je me dis, j'ai certainement fait une erreur. Oui, nous, on s'est fié au son de l'émission de vendredi, le brouhaha qu'il y a tout autour. Donc, peut-être, effectivement, que je me suis trompé. J'aurais dû rester sur ma conviction, d'où l'extrait que je vous ai montré, le premier extrait de 40, de une quarantaine de secondes. J'aurais dû rester sur ma conviction. On entend bien animaux. Mais quand je fais ma vidéo, la dernière que j'ai faite pour m'excuser, je vous le dis franchement et très très naïvement, je ne me suis pas dit, attends, vendredi, samedi, dimanche, lundi, en sachant que samedi et dimanche, ils font des émissions aussi. Il n'y a pas une coupure week-end, ils reviennent le lundi. J'avais complètement oublié ça. 3 jours pour apporter une réponse alors qu'ils auraient pu l'apporter dès le lendemain ou limite l'émission de dimanche hier. Je ne me suis pas dit, peut-être qu'ils auraient pu refaire et réenregistrer une piste ou avec l'intelligence artificielle, bref, traficoter le truc, vu qu'avec l'ARCOM, ils sont très, très copains-copains, tu vois, ça joue à touche-pipi, qu'avec Bolloré, il en a ras le cul de son poulain Hanouna, là, qui leur apporte que des amendes finalement, tu vois. Donc, peut-être qu'ils ont essayé de remballer le truc, rafistoler le truc, tu vois, faire un peu de mécanique, un peu de couture de merde, et nous montrer ce qu'ils nous ont montré ce soir, le deuxième extrait que je vous ai montré. Je ne me suis pas dit une seule seconde que je me suis fait avoir. Je suis peut-être et certainement tombé dans un panneau. Dites-moi en commentaire. Quand j'ai écouté le deuxième extrait que je vous ai montré, effectivement, ennemi. Et dans ma première, et dans la dernière vidéo que j'avais faite, vidéo où je m'excuse, j'avais bien dit en plus, on a l'impression qu'il y a bafouille là, sur la piste isolée qu'ils nous ont fait écouter. Ennemi. En plus, c'est même pas clair, ennemi, mais on entend ennemi. Bref, je pense que je me suis fait avoir. Vu tous les commentaires que je reçois depuis que j'ai fait la dernière vidéo dans laquelle je m'excuse, tout le monde me dit à 90%, ouais, franchement, Gino, là, tu t'es fait avoir. Là, tu as été naïf. Là, tu es tombé dans le panneau.
un lapin de 6 semaines. Je suis né de la dernière pluie. Ouais, effectivement. Ouais. Parce que je me suis pas dit le truc. J'étais parti pour faire ma petite soirée. Je reçois tous ces commentaires en me disant, ouais, regarde, va voir, nana. Donc j'ai été voir et naïvement, je me suis pas dit une seconde. Enfin, tu vois, j'aurais dû pourtant. Je suis pas né de la dernière pluie pourtant. Tu vois. Mais là, pour le coup, je me suis bien fait avoir. Non. Voilà. C'est pour parce que j'aime pas me tromper en fait. Quand j'ai tort, j'admets mes torts et je m'excuse. Donc là, quand j'ai entendu le truc, tout de suite, je me suis dit, purée, j'ai eu tort. Je l'ai quand même bien égratigné, même si elle le mérite. Hein. Moi, j'aime pas du tout ce personnage-là, cette alcoolique anonyme. Elle est pas anonyme, elle est connue. Ouais, je déconne. Enfin, tu vois. Mais je me suis dit, voilà, je... Mais non, je me suis certainement fait avoir. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'était pour apporter ma réponse à tous les commentaires que je reçois. Oui, tu es trop naïf, ceci, cela. Donc, je préfère vous répondre en vidéo que de répondre à chaque fois en commentaire. Je trouve que c'est plus simple et plus efficace de répondre en vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Comme d'hab, faire un petit montage et on se retrouve, nous, bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit.